Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo du week-end, hein, comme d'habitude, posé au fond de son canapé. Enfin, si vous la regardez sur votre télé, aujourd'hui, une petite vidéo tranquillou, donc sur un gameplay que j'avais en stock sur mon PC, un 38 à je sais plus combien, ou peut-être plus, qui sais-je. Je vais pas vous spoiler au pire, où j'étais à la K12, qui est une arme que j'aime bien dans ce jeu, et puis qui est un jeu que j'aime bien aussi. Une petite vidéo déjà pour vous dire que ça se trouve à l'heure où cette vidéo sort, donc dimanche à 16h, je suis simultanément en plus en live sur avec Beben sur sa chaîne Twitch d'ailleurs. Mais bon, j'espère que vous aurez vu la vidéo annonce avant, ou sinon vous aurez loupé ce magnifique live. Et j'aimerais déjà vous dire dans un premier temps bonnes vacances à tous, puisque pour vous, vous êtes en vacances. Donc oui, bonnes vacances à vous. Ça doit vous faire sûrement plaisir, vous pouvez décompresser, en plus c'est les vacances de Noël, donc on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir bien bouffer, non, je rigole pas trop, bien boire, sauf si vous conduisez, ça c'est pas bien, par contre évitez de faire le con parce que le permis part assez vite. Moi d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de ma vie un peu, je vais lundi à l'assurance pour pouvoir conduire en autonomie totale ma petite voiture, une petite Chevrolet toute mignonne. Que j'aime beaucoup, donc voilà, pour ceux qui ont aussi le permis en même temps que moi, enfin, ou un peu après, ou avant les fêtes, bah ça fait un beau cadeau, puis GG à vous tous. J'espère que vous avez tous eu des bons trimestres pour vos cadeaux de Noël. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi vos cadeaux de Noël, si vous les savez, qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël en l'occurrence. Pour moi, ça sera une PS4, si j'ai les moyens, normalement oui, et ça sera tout, parce que Papa Noël, c'est mon banquier, et même quand j'ai des sous, non je rigole, je prendrai la PS4, puis bon, tout ce qui va avec pour Ghost, c'est-à-dire l'abonnement à 1 an. D'ailleurs, si vous prenez la PS4, pensez bien à payer les 50€ pour l'abonnement à 1 an, c'est très important. Et puis je paierai les 10€ de plus pour transférer Ghost, et vous en faites pas d'ailleurs, au passage, je continue à garder ma PS3, donc pour ceux qui veulent jouer avec moi sur la PS3, sur par exemple Ghost, en semaine ou autre, bah, j'aurai toujours la console. Jusque je pense faire mes vidéos sur PS4 quand je brancherai l'Elgato, parce que on pourra brancher l'Elgato en HDMI. Pour ceux qui en ont Elgato aussi, qui l'ont pas lancé depuis quelques temps, vous pouvez la mise à jour pour les next gen est disponible, donc voilà, il vous suffit juste de faire une petite mise à jour. Et je refais ce commentaire parce que normalement l'épisode de Tomb Raider épisode 3 ne devait pas sortir, puisque l'enregistrement avait chié total et j'avais que 6 minutes de gameplay, et tout le reste on m'entendait pas, ça avait coupé. En fait, bonne nouvelle, il est disponible, donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Et j'ai modifié un peu la voix, et le jeu est moins fort et ma voix est un peu plus élevée. Dites-moi s'il faut encore que j'augmente la voix, puisque ça se fait avec le logiciel de l'Elgato et ça m'arrangerait fortement. En parlant de ça, vous êtes tous au courant aussi la fameuse voix de YouTube qui va bientôt passer, puisqu'on parle des jeux vidéo et autres. Je pense continuer YouTube, attention, hein, je compte pas partir sur Dailymotion, on va pas se mentir non plus. Si vraiment demain tous les youtubeurs partaient sur Dailymotion, déjà Dailymotion crash dans un premier temps, YouTube cool dans un deuxième temps, mais je pense c'est surtout en fait qu'on a reçu un mail pour ceux qui sont youtubeurs, en disant que, je dis youtubeur pour ceux qui ont des chaînes, attention, même si vous ne faites pas de vidéo, au pire, hein, c'est juste qu'il faudra faire attention au contenu qu'on va mettre, puisque, comment on appelle ça, puisqu'il y a les propriétaires des musiques et autres qui sont qui veulent réclamer leur usufruit, hein, ce qui est tout à fait normal, dégueulasse, mais normal, et puis nous, ben, on est niqué. Après, il faudra voir si les partenariats peuvent s'arranger pour régler ce petit souci. Voilà, j'essaierai de vous tenir au courant si ma chaîne ne sera pas supprimée, sinon Kraken Play hack YouTube. Mais vous en faites pas, au pire, bah déjà, vous aurez toujours les vidéos de Minecraft, puisque, comment on appelle ça, sur Minecraft, il n'y aura pas de problème de réclamation. Ce que je trouve un peu débile, c'est surtout qu'on fait de la pub au jeu, mais bon, après, on va pas s'amuser à refaire un débat là-dessus. Après, les gens vont dire, ouais, tu fais un débat pour faire des vues. C'est surtout que bon, on leur fait de la pub, puisque généralement quand on joue un jeu, on l'aime bien, puisqu'on y joue. Genre moi par exemple, je joue à Ghost, je l'aime bien, je le critique pas. Encore que les gens qui critiquent un jeu et auxquels ils y jouent prennent tarif, ça oui, je comprenne. Parce qu'il y en a pas mal qui jouent à Ghost pour faire genre des vues, mais au final ils le critiquent, ça je déteste aussi ce genre de personne là. Si tu l'aimes pas, tu l'achètes pas, tu joues pas, c'est tout.
Bon, moi j'aime le jeu, donc j'y joue et j'en fais sa pub, ce qui est normal, puisque je me dis qu'en personne qui aime le jeu, faut que je transmette ma passion du jeu, comme à chaque fois dans mes vidéos, j'essaye de transmettre ma passion du commentary, essayer de faire ça bien. Voilà, après, bon, on a besoin de vous pour s'améliorer, oui, mais sur la jeu vidéo, je présente, exemple, quand j'ai fait mon... Ma vidéo sur Ghost, mes avis. Bon, là j'étais le plus impartial possible. Attention, je tiens à dire, j'étais le plus impartial possible. J'ai rien fait pour dire que Ghost était mieux. Exemple BO, je l'ai acheté pour vous. Mais quand je dis qu'il est nul, ouais, c'est un peu contradictoire puisque je faisais partie de ces gens qui crachaient sur le jeu. Pour moi, c'est pas pareil. J'y jouais, c'est surtout pour vous, mes abonnés. Sinon, je l'aurais pas acheté, clairement. Mais les gens qui l'achètent, qui jouent souvent, 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 souvent. Et puis qui critique, moi sur BO quand j'en avais marre, hop, déstress Bobby. Tu peux aller sur Minecraft, d'ailleurs la vidéo du serveur, faudra qu'on la fasse avec Bébène, j'essaierai de vous la sortir pour le 25. Mais tu peux aller sur Minecraft, tu peux aller sur tout plein de trucs, donc là, faut que les gens se calment à critiquer le jeu, parce que là, ça fait un peu gros. Et puis bon, je pense que Call of, je pense que dans le prochain Call of, qui sera plus optimisé pour Next Gen et autres, il y aura sûrement... Il sera sûrement retravaillé, je pense qu'il y a des choses à retravailler dans Call of pour récupérer sa gloire de dans le temps. Parce que beaucoup de gens ont booté Ghost à cause des avis de certains youtubeurs, plus ou moins gros, donc il y a certains youtubeurs vieux, enfin vieux entre guillemets, mais assez importants qui peuvent influencer les plus jeunes, on va pas se le mentir. D'ailleurs, le pouvoir d'un youtubeur assez influent, assez gros surtout, est impressionnant. Mais comment on appelle ça? C'est vrai que certains ont directement désingué le jeu, alors que moi je trouve qu'il est mieux que Ghost, hein, que Black Ops 2. Hein. Les gens ils avaient peur qu'il n'y ait pas de flash cop, il y a du flash cop, les noscopes partent droit, il n'y a pas d'hitmarker. Maintenant qu'il n'y a plus d'hitmarker, la vie est trop faible. Là, dans ce moment, j'aimerais vous dire, faut savoir déjà que de base le français est catalogué comme un insatisfait chronique. En plus, l'homme aussi de base est insatisfait tout le temps quasiment. Alors là, faut qu'on m'explique. On met plus d'hitmarker, mais on tue trop vite. Eh, oh tonton, calme-toi là. C'est normal que. Je trouve que la vie elle est un peu plus réaliste quand même. Ça, tu prends 5 balles de barrette, tu continues à survivre. En réalité, tu prends une balle de barrette, ton beat c'est un vortex. Mais bon, après ça, c'est une parenthèse. On peut commencer à débattre là-dessus. Même si ce débat me ferait très plaisir. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, si un jour vous êtes énervé d'un jeu, bah vous pouvez, exemple, moi, je regarde des vidéos d'un jeu, exemple Minecraft. Je me répète, exemple, là je commence à me faire vieux. Donc dans le style de Minecraft, de Ghost ou autre, et hop, ça me donne envie d'y jouer. Jouez au jeu quand vous en avez l'envie, je joue pas au jeu pour vous forcer. Moi par exemple, je suis souvent tout seul sur Skype vu que j'ai pas école et que mes abonnés me proposent pas de jouer avec eux. D'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, si vous me floudez d'invite quand je lance ma console et que je suis déjà avec des gens, n'attendez pas à ce que je vous rejoigne. Je vous rejoins si je peux. Parce que dans ces cas, si vous voulez que je joue avec vous, vous avez qu'à m'envoyer un message sur Skype avant. Parce qu'il faut dire que des fois, je lance pas ma console, mais je suis toujours connecté sur Skype. Donc si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez m'envoyer un message sur Skype. Ça fait un peu genre, ouais, je joue avec toi, mais j'ai la flemme de t'envoyer des messages, tu vois. Donc bon. Maintenant, si vous vous amusez à m'envoyer des messages sur PSN, envoyer des invites, me flouder d'invites, ça me dire bonjour et tout, honnêtement, va te faire enculer, hein, comme on dit chez nous. Ça, moi ça me sert à rien, hein. j'ai pas besoin de ça, hein. À la base, les personnes en question qui se reconnaîtront sont pour certains que j'ai ajouté sur le PSN des abonnés à moi. Voilà, vous êtes mes abonnés, hein. Après vous êtes là pour les vidéos que je fais, hein. On n'est pas obligé de jouer ensemble, donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que m'envoyer un petit message pour jouer avec moi, c'est quand même plus plaisant. Et ça me donne plus envie de jouer avec vous que l'inverse. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je voulais surtout faire cette vidéo pour vous souhaiter bonnes vacances, mangez bien, buvez bien, faites les fous, puisque la nouvelle année commencera bientôt. Et puis voilà, pensez à réviser pour ceux qui auront des examens à la rentrée. Allez, bisous, ragez pas trop et à la prochaine.